Olivier Giroud, quel joueur les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Olivier Giroud. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Olivier Giroud, les gars, c'est un mec que moi je trouve très bon, mais qui n'est pas trop reconnu à sa juste valeur. Certes, ce n'est pas Benzema, mais je trouve que c'est un mec qui marque beaucoup de buts avec un profil à part. Ce n'est pas un joueur qui va dribbler 2-3 joueurs. C'est un joueur qui est plutôt bon en pivot, qui est bon sur des centres, des coups de pied arrêtés. Et c'est un profil qui est de plus en plus rare dans le football moderne. C'est un profil qui est rare dans le football moderne. Les avant-centres modernes ont tendance à décrocher, ont tendance à jouer un peu comme un 10, comme un 9,5, mais Giroud, ce n'est pas ça. C'est un pur avant-centre à l'ancienne, type Inzaghi. Et en plus de cela, je trouve qu'il est très bon de la tête. C'est un mec, partout là où il est passé, il a laissé ses empreintes à Arsenal, il a laissé une bonne image à Arsenal, à Chelsea, et maintenant au Milan. Il va jouer une demi-finale avec le Milan. Et en plus, c'est un mec qui a un mental. Regardez le penalty qu'il rate face à Naples. Si c'était un autre joueur, il devait plonger mentalement. Sauf que Olivier Giroud, mentalement, il est revenu dans le match et il a marqué. Donc, je trouve vraiment que c'est un bon exemple. Un joueur vraiment à prendre comme pour exemple. Voilà ce que je voulais partager avec toi par rapport à Olivier Giroud. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.